Salut. Salut. Ça va? Ouais. C'est beau ça. Joli style. C'était un peu comme les bandes dessinées. Ouais. Tiens, je suis partie au journal de Mickey hier. Ah ouais. Et j'ai vu tous les dessins. Bonjour. Bonjour Céline. Quel est votre travail au journal? Moi, je fais du montage de bande dessinée. J'installe le titre, comme ceci. J'installe la signature Walt Disney. Comme ça. Je travaille avec des ciseaux, de la colle et un pinceau à colle. Les pinceaux, la gouache, des stylos à encre et une règle. Je vais vous montrer le travail depuis le début. Nous avons ici un scénario que nous donnons à un dessinateur, lequel exécute le travail à son idée, bien sûr. Ici, il a changé la voiture un petit peu, tu vois. Plus ronde. Plus ronde. Ensuite, nous donnons à des lettreurs cette page pour qu'ils inscrivent le texte dans les ballons. Puis, nous avons une page comme ceci que nous envoyons à l'imprimerie, laquelle nous renvoie deux pages. Une qui est destinée à la mise en couleur. Ici, tout le travail est fait au pinceau, à la main, avec de la peinture. Et à la fin, nous posons le film sur la peinture. Et la page est terminée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Cyrine. Quel est votre travail au journal? Alors, mon travail au journal, c'est de faire les couvertures du journal de Mickey. Alors, en voici une. Et la couverture, en fait, c'est la première page du journal. Et donc, pour en arriver à faire ce dessin, je fais avant quelques crayonnés, tu vois, que tu as sous les yeux. Et pour cette couverture-ci, on a choisi ce crayonné-là, que voici. Et je fais mes couleurs à la gouache, à l'encre et au crayon de couleur. D'accord. Et ce qui donne ce dessin. Voilà. Et vous faites les couvertures du journal tout le temps? Alors, je fais la plupart des couvertures du journal de Mickey, les couvertures de Picsou et de temps en temps les couvertures de Petit Loup. Et ça vous prend combien de temps à peu près? Ça me prend à peu près entre 2 jours, 3 jours. Enfin, tout dépend si les idées viennent tout de suite. Cyrine? Oui. L'art pour toi, qu'est-ce que c'est? L'art pour moi, c'est le Louvre et la pyramide. C'est la Joconde. C'est le ballet et la danse, la musique. C'est le cinéma. Enquête micro-trottoir. L'art pour toi, qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'art, c'est les peintures. C'est aussi. Il y a aussi l'art musical, c'est-à-dire la musique. Voilà. L'art, c'est surtout la peinture. Pour moi, c'est la Renaissance, l'architecture, la sculpture, la peinture, tout ça. L'Italie, surtout. C'est la peinture, l'Italie. Pour moi, l'art, c'est la sculpture. J'aime beaucoup la sculpture. L'art, c'est la sculpture, l'architecture. En fait, c'est l'imagination et la communication. Ah, la communication, c'est la science et la technologie aussi. Ah oui, c'est vrai. L'ordinateur et le téléphone, c'est pour communiquer avec les gens. Et les satellites. Ouais. La communication. Thank you.
les satellites. L'ordinateur. Salut. Salut. Tu peux te mettre un peu sur la gauche? C'est bon là? Oui, recule un peu. Parfait. Et moi, ça va? Toi, ça va, tu es bien au centre. C'est bon. Les paraboles à son. Jean? Cyril? Oui. C'est bien toi? Oui, c'est moi. Ah, mais c'est fantastique. C'est vraiment formidable, ces paraboles du son. On peut chuchoter très doucement et on entend très bien. C'est amusant. Tiens, un TGV. TGV, train à grande vitesse. On va bientôt voir Philippe. Ouais. Je suis vraiment contente. Messieurs, là, bonjour. Bonjour. Petit de transport, s'il vous plaît. Bonjour. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le billet Paris-Le Mans coûte 123 francs. C'est vraiment pas cher. Chaque TGV a 10 voitures avec 116 places en première classe et 369 en seconde classe. Et il y a environ 40 000 passagers qui prennent le TGV tous les jours. Chaque jour, il y a 15 allers-retours de TGV. Et il y a un TGV qui part toutes les heures. On dirait que les voitures ne bougent pas. Ouais, c'est vrai. Et on les dépasse très rapidement. Ce train va à 300 km/h. Paris-Le Mans, c'est 200 km en 55 minutes. Et c'est sur cette ligne que le TGV a battu le record du monde, 515 km/h. Le TGV bat le record du monde. ...515,3 km/h, le record mondial. Allô Philippe ? Salut Jean ? Salut, c'est Jean à l'appareil, ouais. Mm-hmm. Alors voilà, on a pris le train de 2h20... ok. ...et on va arriver à la gare du Mans à 3h15. D'accord. Alors, tu viens nous chercher à la gare ? Oui, bien sûr. D'accord. Là, je t'appelle d'une cabine téléphonique du TGV. Ah bon ? Voilà. D'accord. Alors, on se revoit... à la gare. D'accord. Bon, bah, à tout à l'heure. Bah, tout à l'heure. Ok. Salut, Philippe. Salut, Jean.
pas? Oui. Mais tu pleures? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est rien. Les films d'amour, ça me fait pleurer. J'adore ça. Ah bon? Et toi? Moi quoi? Tu aimes les films d'amour? Bof, ouais. Mais je préfère les films d'aventure avec beaucoup d'action, comme les films policiers. Les garçons, ils préfèrent les films policiers. Mais tu sais ce que les filles, elles préfèrent les films d'amour. C'est pas vrai. Mais si. Regarde-moi, j'aime bien les films d'aventure aussi. Et puis regarde. Le jury international. Je m'appelle Yann, je viens du Mexique. J'ai été choisi quand je suis allé voir un film, à Mexico donc. J'ai répondu à certaines questions et puis on m'a ensuite appelé, disant que j'ai été choisi. Je m'appelle Sébastien et je viens de France. Je représente la France. Bonjour, moi je m'appelle Katia, j'ai 15 ans et je viens d'Allemagne. Quel film avez-vous vu aujourd'hui? Ce matin, nous avons vu un film des USA qui s'intitule 1000 pièces d'or. C'est un film en couleur qui a été tourné en 1990. C'est l'histoire d'une chinoise qui a été vendue par son père. Voilà. Alors au début, c'est un peu triste, mais ça se finit très bien. Moi, je m'appelle Fabrice. Je viens du Gabon, c'est en Afrique. Bien, le film, c'est un récit sur la vie d'une fille qui a été vendue par ses parents. Alors, c'est une histoire qui se suit jusqu'à la fin, il n'y a pas vraiment de flashback. C'est bien ça, tu as vu? C'est le jury international. Ce sont des jeunes de différentes nationalités qui parlent bien le français. Eh bien voilà, n'hésitez pas. Parlez français le plus possible. La semaine prochaine, on fait du sport. Alors, à la semaine prochaine, sur la même chaîne. Salut. Salut.